les chaînes montagneuses d'Al-Bayad et leur végétation. D'apparence désolée, ces vastes espaces renferment pourtant tout un riche patrimoine archéologique datant de la préhistoire. Tout près du versant nord de Jbel Tuilt Mekna, la station rupestre de Boualem illustre la portée civilisationnelle de cette partie du sud-ouest de l'Algérie, et ce, depuis au moins les périodes néolithiques. Il s'agit de la gravure du bélier à sphéroïde de Boualem. Celle-ci est universellement célèbre par la qualité de son style. Le bélier porte un disque agrémenté de deux feuilles et d'un collier. La technique employée met en valeur le détail des attributs de l'œil, des cornes, des oreilles et celles des jarres. Le bélier est associé à un homme portant un carquois ou un bouclier. Sa tête semble recouverte d'une coiffe. Il s'agit de la plus belle gravure de tout l'art rupestre nord-africain. Du nord au sud de la région d'Al-Bayad, les reliefs sont des plus contrastés. La présence des gazelles indique qu'on est bel et bien dans des zones steppiques. Là-bas, les nomades sont les mieux indiqués pour localiser les stations rupestres jusque-là méconnues. Un véhicule tout-terrain est indispensable pour parcourir ces vastes étendues sahariennes. Le jour se lève, les chaînes des monts d'Ersor commencent à se manifester avec acuité. Au lieu dit Daya al-Hamra, surgit une gigantesque falaise. Des gravures rupestres y figurent. فيما يخص النقش على الحجر هنا كاين ياسر بزاف اللي نعرفهم بزاف اللي ماهمش باينين ورامي ياسر في ولايه البيض تابعين ولاية البيض النقش على الحجر كاين بزاف فيما يخص القرارة قارة الطالب على الصم التوميات مشقاق De bon matin, des truquets à tête blanche vibrent au rythme des rayons de soleil. La station rupestre de Daya al-Hamra compte parmi les plus importants sites archéologiques de cette région de Chgag. Sur la falaise, on découvre des dessins de grande dimension. De gauche à droite se manifestent plusieurs scènes qu'animent de nombreux animaux et des personnages. Au centre de la falaise s'impose une énigmatique représentation portant de récents graffitis. S'agit-il de siamois?
Antilope, siamois, personnage et bélier à sphéroïde occupent la partie gauche de ce tableau rupestre. Dans les parages immédiats, l'énorme bloc ne semble guère abrité de gravures. Sur le sable, des rongeurs comme ces gondis sont en quête de nourriture. Ces stations rupestres reste sans surveillance aucune. Sur une paroi rocheuse, on découvre des figures et autres symboles géométriques. اللي يشوف يضيع ويفوت ويجي اللي من بعده يعاود يضيع وهي ماشة وهي راه ماشة تنغارض قاعد تنقطع النقص على الحجر حنا نتمنوا ماذا بينا اللي يشوف عاد ماذا به يخليها كيما راه ويفوت ويجي اللي من بعده يشوف وتقعد لنا دي حاجة مليحة اللي متابعين هاد الاخر ماذا بهم يدوروا خاطر خاطر يدوروا اللي يشوفوا شو واحدين ينهوهم بس تقعد لك اللي تقعد مهمولة كل شيء راح أم شكاك Et cette vaste zone steppique à multiples faciès où les décors peuvent changer brusquement compte tenu de la configuration des reliefs. Au niveau des dayas ou ces zones inondables en période de crue, on peut rencontrer des pistachiers de l'Atlas ainsi que le Sisyphus acacia ou Botma et Cedra. Le Retam Aretam ou Rtem peuple les extrémités de la Daya. Du haut des falaises à la Daya évolue une riche et variée végétation steppique ainsi que d'imposants pistachiers de l'Atlas. Les alentours de Oued Dirhem abritent également un riche et varié couvert végétal. On découvre aussi des rapaces tels ces faucons. Cette partie du sud-ouest d'Al-Bayad est dotée d'une riche biodiversité floristique, avifaunistique et faunistique, et ce, malgré la rudesse du climat. On sillonne la steppe de Omshgeg. Le parcours reste des plus accidentés. Chabet et Lidouet ponctuent ces terrains dotés d'une maigre végétation. On s'approche d'une seconde station rupestre.
Les sols sont à sec à cause de la sécheresse. Une maigre végétation peuple pourtant ces zones steppiques avides d'eau. Plus à l'ouest, face au Jbel Bousbeh, une autre station rupestre existe. Une panthère a même un bloc effondré et visible. Cette partie de la station est des plus féeriques. Elle abrite également des oléastres ainsi que des pistachiers de l'Atlas. Malgré leur immensité, les blocs alentour ne semblent guère abrités de gravures. Seuls ces beaux arbres agrémentent le décor de cet espace que dominent sable et blocs de grès. On quitte cette partie de Cheikh Dirham et ce pour découvrir d'autres gravures que menace l'ensablement. Il s'agit de celle des équidés. Face à Jbel Mazraa, on peut aussi observer la gravure d'un bovidé de style Tezina. المنطقة نتاع المشقاق الثنية الحمراء فيها عدة محطات تاع لوحوت الحجر في كيما السبع كيما الفيل كيما القرن كيما فيها بزاف عبر القدماء هذو مرسومين منحوتين الثانية زرنا رؤساء البيض نفس كاينه محطة فيها ثاني كاين ذيب كاين الفيل كاين السبع كاين ثاني ياسرين هنايا هذه الرسومات كاين منها بزاف عندنا هنايا بزاف كيما قرطالب كيما الدويس هذو بزاف كيما الخوابي كيما عين لاحق هذو كل فيهم الرسومات هذه عندنا الحجر هذا كل فيه رسومات قديمه Cette partie du sud-ouest d'El Bayad constitue donc à elle seule un musée à ciel ouvert de gravures rupestres rayonnant sur les monts d'Erzor. Là-bas, on assiste à la présence de différents styles de gravures rupestres issus des différentes périodes de la préhistoire. Celles-ci datent d'au moins 6000 ans avant l'ère chrétienne. Quitte donc Omshgeg et Dai al-Hamra pour découvrir le profond territoire de Tezina. Accoutumé aux fréquents vents de sable, Tezina et sa station rupestre se manifestent majestueusement à travers le bleu azur que dégage le ciel. Un équidé sur un bloc de grès gît au bas de la falaise. À l'extrémité même du sud de cette même station de Tezina, de nombreux blocs noircis par l'érosion semblent abriter des gravures.
forme humaine et un bovidé. À proximité, on découvre la scène d'un bubal percutant un âne. Cette même scène renferme un bovidé et un félin où le trait utilisé est le piquetage. Ces gravures rupestres appartiennent donc à la période dite bubaline. Des visiteurs ont imprégné à ce bovidé de la craie. Le souci reste la perception de près de la forme de l'animal. من طرف المخربين هذا كان اللي يشوف كان اللي حتى يغير الصوره كل واحده واش يغير لها بطول الزمان قادرين نقارضوا كاع حتى هو يتغيروا بصفه عامه مش غير واحده ولا زوج المسبب الاول في التخريب هما العباد اشخاص هما اللي يخربوا فيها وهنا ماهيش منطقه كما نقولوا ماهيش محافظين عليها يعني مش حاطينها بعين الاعتبار باش يكونوا سواح بزاف والزياره نتاعها بزاف حتى الناس تعطيها اهميه هو تبان له بلي حاجه عاديه كي يشوف ذاك الرسم تبان له بلي ينقشها بحجره ولا بحاجه تبان له عادي بصح هو عنده اهميه زينه راه في الناس تزورها وراه الناس كاين اللي يجوا عليها باش يشوفوها وكاين اللي كيما نقولوا تعطي مثال البلاد في كل منطقه كاين هذه الرسومات وكاين اللي ما لحقناهاش لحد الان ما شفناهاش كاع كاين رسومات بالك ما اكثر من ذو وما اقل منهم ما شفناهمش كاين اللي تردموا من الرمله كاين اللي طاحوا الحجر هذاك طاح درقة الرسومات هذيك طول عبر الزمان هذا كل تغيرت المناخ غير الارض كل وحده وكيف اثر عليها Tout ce fabuleux patrimoine dont dispose cette région de Chkeg reste quelque part méconnu. Par négligence, celui-ci est soumis à la dégradation par l'homme et par l'érosion. Ainsi, de nombreuses stations rupestres de Daya al-Hamra sont menacées par l'homme. L'urgence demeure donc la protection à l'échelle locale de ces stations rupestres pendant qu'il est encore temps.